Hey, hello everybody. Bonjour. Yeah, I feel like I haven't seen you guys or in a while. J'ai comme l'impression que je vous ai pas vu depuis un bout de temps. Well, it's good to be here. I need something to Je drink too. Give me that. suis content d'être là. Well, I'm going to surprise you guys and we'll have to wear my glasses. Oh, je So. vais vous surprendre aujourd'hui parce que So he's gonna wear his glasses je vais to mettre mes make lunettes. me. Here we go. This is the new Wow. me. Ok. So now I remove my glasses. Oh, now you're gonna Maintenant, je peux remove enlever his. mes lunettes. Well, this is me with glasses. So I want thousands of people to let me know how do I really look. Only the Yeah, good ones. everybody, vous tous là, vous devez nous écrire pour dire à Greg comment vous trouvez qu'il est. Mais je vais faire un big announcement. I will make a big, une grande annonce. Greg voudrait de l'eau. I don't understand a word he just said, but I hope it's good. Greg wants some water. Oh, that's okay. I drink yours on the side. No, I just want to let you all know that I've been busy. Okay, our offices, they don't understand. Bonjour, 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 Okay, bonjour. That's all I know how to say in French. And he's going to tell them to get me some water. water. All right. Well, Well, I I understand am like coming this. back to translate. Oh, okay. I was making little designs till you get back. You were making a joke. No? Okay. I just want to say that my wife and I talked to my wife about me going full-time ministry. Okay, il a parlé à son épouse, ils ont eu des discussions concernant le fait que Greg pense aller faire du ministère à temps complet. Yeah, so I just feel like it's time. Et il pense que c'est le moment maintenant d'y penser et de faire du ministère à temps plein. Yeah, so it's a big decision because I've been working all my life and I'm going to make that decision to let my job go in another month or two or whatever. Et c'est une décision importante parce que toute sa vie adulte, il a travaillé et il pense quitter l'emploi actuel d'ici un ou deux mois. So I'm excited and nervous all at the same time. Il est très excité à ce sujet, mais aussi il en tremble. I didn't know I was looking like that. Well, I just wanted to let you all know and everything like that, so I would be able to travel more. So who knows, I might come to France and preach to you all. Il pense aussi qu'avec ça, en faisant du ministère à temps complet, à temps plein, il pourra voyager, même éventuellement aller en France si le Seigneur lui dit. All right, well. I can talk more about that later, but I want to get to my message. Ok, je vous parlerai de tout ça plus tard, au fur et à mesure que ça progressera. Et je vais maintenant commencer mon message pour aujourd'hui. Okay, I want to talk about finding your place in this world. That's the Donc, title. le titre de mon message aujourd'hui, c'est, faut que je trouve la traduction là. Trouvez votre place dans ce monde. Je répète, trouvez votre place dans ce monde. So, I want to talk about Jesus. He had to find his place just like we have to find our place. Je vais vous parler de Jésus qui a lui-même a dû trouver sa place dans ce monde, comme de la même façon que nous devons trouver notre place dans ce monde. As you have to understand that most people believe that Jesus automatically knew who he was and everything because he's the Son of God. Et on pense toujours que Jésus savait tout parce que effectivement, il était le Fils de Dieu placé dans ce monde. He came down and he was born just like we were. Il est né de la même façon dont nous sommes nés. Il n'a pas été conçu de la même manière. I said he was not conceived the same way, but he was born the Thank same you. way. Thank you for So correcting he that. was born, il est né de la même façon que nous. Exactly. So he had the Holy Spirit just like we have the Holy Spirit. Il avait le Saint-Esprit de la même façon que nous avons le Saint-Esprit maintenant. Because see, the Holy Spirit,
this is a message that I had to, I was debating on teaching on, but I'm going to try to keep it simple so I won't sound ridiculous. C'était le type de message, je me posais des questions si j'allais vraiment le présenter, mais je pense que c'est le message pour aujourd'hui. A lot of people get Jesus' deity confused with his humanity. Beaucoup de gens font la confusion entre le fait que Jésus était homme et le fait aussi que Jésus était Dieu. Because Jesus is never operating in any of his deity when he was on the earth. Quand Jésus était sur cette terre, il n'a jamais opéré comme Dieu. Yeah, that basically means he didn't operate in his the kind of power that he's operating in right now today. He didn't operate in that on the earth. Et il n'opérait pas sur terre quand il était sur terre avec la même puissance que il opère présentement au ciel avec son Père. So he had to operate. Pretty much, we have to operate the way he operated when he was on earth. Ce qui veut dire que essentiellement, nous devons opérer sur terre de la même façon que Jésus opérait sur terre quand il était ici. The Holy Spirit was Jesus' teacher, as well as the Holy Spirit is our teacher. Le Saint-Esprit était aussi bien l'enseignant de Jésus de la même manière que il est notre enseignant. So that's why we don't really have an excuse. Quand on pense à cela, ceci nous enlève toutes les excuses que nous pouvons avoir. Because Jesus is our brother in the spirit. Dans l'esprit, Jésus est notre frère. As well as God is Jesus' father, as well as he's our father. De la même façon que Dieu le Père est le Père de Jésus et aussi notre Père. Because he said, the works that I do, you should do also in greater works. Jésus nous a dit que ce qu'il faisait, nous pouvons le faire aussi et même nous pouvons faire plus ou faire mieux. I'm sorry, let me. He gives me water and he has fruit juice, a fruit punch. All right. No, it's ice cube water. It's a lot of water. Oh. It's mostly water. Oh, okay. What are the greater works that Jesus was talking about? Jésus mentionnait quoi quand il disait que nous pouvons faire des choses plus grandes qu'il ne faisait? The greater works that Jesus was talking about was becoming used by God to get people to receive Christ in their lives. Le travail le plus grand qu'il mentionnait que nous pouvons faire, c'est de rencontrer des gens pour que ces personnes puissent rencontrer Jésus. I guess what I'm trying to do is take the mystery out of Jesus. Ce que j'essaie aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est d'enlever tout ce mystère qu'il y a autour de Jésus. I'm trying to get you to understand that he came down here as an example for us today. Ce que je veux vous montrer ou vous démontrer, c'est que Jésus est un exemple pour nous aujourd'hui. Did you know Jesus had a calling just like we have a calling? De la même façon que nous recevons un appel de ce que nous devons faire, Jésus aussi avait reçu un appel. What was Jesus calling? C'est l'appel de Jésus, c'était quoi? Just like this one minister I have a lot of respect for, he always says it, and I'm in total agreement with it. Un ministre de Dieu dit ceci et je suis tout à fait je le respecte et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Jesus came to cause his to make his to create an avenue for his father to become our father. Okay. Jésus est venu l'appel de Jésus était de venir sur terre pour être un conduit vers son Père de la même manière que nous devons rencontrer notre Père céleste. So now he had to correct what the first Adam messed up in the garden. Il a donc son but était de corriger finalement les
là où notre ancêtre Adam avait chuté. Most people say, well, it wasn't Adam really made the mistake, it was Eve that made the mistake. Ou alors, beaucoup de gens disent que Adam n'a pas fait d'erreur, que mais c'est Eve qui a fait une erreur. But like it says in Genesis, when see Adam was, he was his responsibility was to keep the commandments. La responsabilité de Adam était d'obéir aux commandements ou aux préceptes que Dieu lui avait donnés. Not to eat off that forbidden tree. Il ne devait pas, donc un des préceptes était qu'il ne devait pas partager ou manger du fruit défendu. Even if, let's just say that Eve ate off the tree, but Adam didn't, what would have happened? Imaginez une seconde que Eve ait mangé du fruit défendu et Adam n'en ait pas mangé. If he had not, if what would have happened was, it could have been not, how can I explain it? If Adam had not eaten off the tree, it would have been corrected right then and there. Yeah, si Adam n'avait pas mangé du fruit défendu, probablement que Dieu aurait corrigé la situation à ce moment précis. Because Adam was given a responsibility when he ate it off the tree, that's when everything, he lost his salvation. In other words, he died spiritually right then and there. Quand Adam a partagé ou a mangé du fruit défendu, il a perdu le lien qu'il avait avec Dieu. It was almost like his spiritual eyes closed and his natural eyes opened when that happened. En d'autres mots, ses yeux spirituels se sont fermés et ses yeux naturels se sont ouverts. Je comprends que si vous devez comprendre cette image, donc ses yeux spirituels étaient fermés. So every person that's born in this world has a spiritually deaf nature because of the first man Adam. So Jesus had to come and correct that. Donc toutes les personnes qui sont nées après Adam avaient perdu ce contact spirituel avec Dieu. Ils étaient juste une nature humaine déchue. So that means Jesus became the second Adam, and that was his calling to correct what the first Adam did. À cet effet, Jésus, est, on l'appelle souvent le second Adam, parce qu'il est venu sur terre pour nous donner une vie nouvelle, et il est le point de départ de cette vie nouvelle. All right. Well, let's look at Luke, the second chapter. I'm looking at two verses of scriptures. Okay, on va regarder dans Luc au chapitre 2. Yeah, Luke 2:40, and I'm going to look at the 52nd verse. Le premier verset que nous allons regarder, because I don't want to read all that, the time is saying. Le verset 40. All right. De Luc. I was looking if that verse exists in French. Oh, really? It's like that. Yeah. Oh. Okay. Ce verset aussi existe en français. Oh, okay. I want to prove to you that Jesus did not know everything when he first came here. Ce que je veux vous dire, c'est que vous prouvez que quand Jésus est venu sur terre, il était loin de connaître tout. All right, here we go. I'm going to read it in English first. Okay, il va nous lire ça en anglais d'abord. It says, and the child grew. Okay, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Okay, donc le verset 40 nous dit, le petit enfant grandissait et se développait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Okay, let me make a statement in French. In English and later in French about that. When you read that verse and the book, it became strong in spirit. Mm-hmm.
we could see that in some version they don't use the word spirit, mm. but it means there he was, because he, the Holy Spirit was not on him. It was growing in wisdom. Oh. So a better translation was he grew in wisdom. And in French, they say he grew in wisdom. Oh, really? Okay. Donc, ce que j'ai dit, c'est que dans la version anglaise, au verset 40, on parle de Jésus qui grandissait en esprit. Et en fait, la plupart des nouvelles traductions ont revu ce passage et disent il a grandi en sagesse. La même chose que disent le verset en français. Ce qui a d'ailleurs beaucoup plus de sens. It makes more sense that he grew in wisdom. Mm-hmm. Okay. Oh, okay, exactly. Because spirit there is used in English as wisdom, intelligence, intellect, and all of that. Oh. And I just want to make sure people don't make a mistake or a confusion. Yeah. You know, parce que en anglais, le mot esprit comprend l'intelligence, les émotions, la sagesse, etc. Donc la traduction pour un enfant qui grandit et qui apprend des choses est beaucoup plus la sagesse que nous avons avec l'éducation. Okay, wow. It's a wisdom we get with education. Oh, okay, that's good. I'm afraid to read. I guess you pretty much read the 52nd verse because it's pretty much talking about that. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Yeah, you are right because that verse has to be the same meaning on the verse 40. Yeah. Okay, we have to use the term wisdom. So, je vais vous lire maintenant le verset 50 qui... 52, qui amplifie ce que dit le verset 40. Alors, le verset 52 nous dit « Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Wow! Yeah. Well, that's good. That's really good. I like that. Thank God for you. So what I want to explain to you is that Jesus had to find out who he was with the help of the Holy Spirit, just like we have to find out who we are with the help of the Holy Spirit. De la même façon que nous devons trouver quelle est notre position sur cette terre en consultant le Saint-Esprit, de la même manière, Jésus l'a fait déjà aussi. Il a dû trouver quel était le plan que Dieu avait pour lui sur terre grâce au Saint-Esprit aussi, comme nous. Amen. And you know, it's like Jesus had to find out who he was through the Old Testament. Jésus pouvait savoir ou se rendre compte de qui il était grâce à sa connaissance de l'Ancien Testament. Because every time he would read the Old Testament during that time, when he was younger, the Holy Spirit will begin to let him know that those scriptures that you're reading in the Old Testament is talking about you. Les versets de l'Écriture de l'Ancien Testament que Jésus avait l'habitude de lire ou dans la synagogue sont effectivement les versets qui annoncent dans l'Ancien Testament la venue et l'existence de Jésus. Yeah, and I'm gonna go ahead and read this part right here. How do we today as Christians find our place? Donc de quelle manière nous en tant que chrétiens aujourd'hui nous trouvons notre place dans ce monde? It's the same way that Jesus found out who he was. It's the same way we have to find. C'est la même façon que Jésus a trouvé lui-même qui il était dans ce monde. He found out, we find out who we are by reading the New Testament. De la même manière que Jésus a trouvé qui il était en lisant l'Ancien Testament, de la même manière, nous devons trouver nous-mêmes ici
qui nous sommes grâce en lisant le Nouveau Testament. We, I tell a lot of people that if you pray in tongues, that opens the door for the Holy Spirit to begin to give you the understanding that the scriptures that you're reading is talking about you. Quand nous prions le Saint-Esprit, que nous lisons les Écritures ou les versets dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous éclaire et nous montre de quelle manière ces versets s'appliquent à nous. I wrote this down right here, and I'm just going to read it. Same way Jesus did, he read the Old Testament with the help of the Holy Spirit. We read the New Testament with the help of the Holy Spirit. Okay, de la même manière que Jésus lisait l'Ancien Testament avec l'assistance du Saint-Esprit, de la même manière, nous lisons le Nouveau Testament avec l'assistance du Saint-Esprit. We find out who we are. Not in the Old Testament. We can't find out who we are in the Old Testament. En fait, nous ne pouvons pas trouver qui nous sommes dans l'Ancien Testament. Because we are New Testament Christians today. Parce que nous sommes aujourd'hui des chrétiens du Nouveau Testament. I will read, this is just my recommendation, I will read the epistles of the New Testament, and that pretty much talks about who you are in Christ. Par exemple, ça c'est ma recommandation, je lis les épîtres du Nouveau Testament et ces épîtres nous montrent qui nous sommes et en particulier qui je suis en Dieu, en Jésus. Because when I started reading the Bible, I stayed specifically in the New Testament, where it talks about what Paul wrote the epistles talking about who you are in Christ, and I begin to understand what my calling is. Oui, quand je lis le Nouveau Testament, et en particulier les épîtres de Paul, les versets nous montrent qui nous sommes en Christ, et en particulier me montrent à moi qui je suis en Christ. Because the more the word that you have in you, le plus de la parole que vous avez, de la parole de Dieu que vous avez en vous, and I say it all the time, it gives the Holy Spirit what he needs to teach your spirit, who you are. Cela donne au Saint-Esprit l'occasion de vous enseigner qui vous êtes à partir des Écritures. Like a lot of people ask me sometimes, what do you believe that, what do I believe I am? Des gens, par exemple, me demandent, tu es quoi? Because I believe, this is what I believe, that I might be, I'll just say, I believe I'm a prophet. Does that mean that I'm better than anybody else? No, it doesn't. Donc, je pense que je suis un prophète. Mais ça, ceci ne me rend pas meilleur que d'autres, parce que ça, c'est ma position. I don't know everything. Je ne suis pas omniscient, je ne connais pas tout. With my wife, most people think I give my wife a word every day. I don't. Non, ne pensez pas que le matin en me levant, j'ai une parole de sagesse pour mon épouse. Non. She gives me a word, I need to take out the trash and I listen. Par exemple, si ma femme a une parole puissante révélée par le Saint-Esprit qui lui dit à Greg d'amener les ordures à l'extérieur, Greg va le faire. I am just a person just learning how to walk with God. Je suis juste une personne, une simple personne qui essaye de marcher le plus possible avec Dieu. Because the more you pray in tongues, le plus vous parlez en langue, and stay in the Word, in the New Testament, in the epistles, et rester dans le Nouveau Testament, en particulier les Épîtres, you will begin to understand who you are. Vous comprendrez de mieux en mieux qui vous êtes. Because everybody's not called to do the same thing. Parce que tout le monde n'est pas censé faire exactement la même chose. On est différent. Mm-hmm. Some of us may be called to just make money, work a job. Certaines personnes, leur appel est juste d'avoir un travail et de gagner de l'argent. And then he will give you instructions on who to help with that money. Et le Saint-Esprit vous dira où et avec qui vous devez utiliser cet argent.
So some people say, which is the greater call, apostle or prophet or teacher or evangelist or pastor, ministry or health? Certains vont se demander, c'est quoi la position la plus élevée entre pasteur, évangéliste, prophète, ministère d'aide, etc. Yeah, they are all important. Ces ministères ou ces dons ou ces fonctions sont toutes importantes. Because I don't go around giving people words all the time. Je ne vais pas donner aux gens des paroles de connaissance tout le temps, des prophéties tout le temps. I mean, if he tells me something, praise God. But if he doesn't, praise God. si le Dieu me donne quelque chose à vous dire, merci Seigneur. S'il ne me donne rien, pareil, merci Seigneur. And if I was operating in the office of a prophet, 24 hours, it would kill me. si j'étais amené à opérer dans l'office du prophète 24 heures par jour, ça me tuerait, ça. No, you can't do that. Too much power going through your body. You can't handle that kind of power. Vous ne pouvez pas gérer autant de puissance 24 heures par jour. C'est impossible. You might be called to cultivate plants. Vous pouvez être amené à être un jardinier et cultiver des plantes. Does that make my calling better than your calling? Est-ce que cela rend mon appel de prophète meilleur que votre appel de jardinier? No. Non. Because you're doing, God looks at your faithfulness. Parce que Dieu regarde si vous êtes obéissant. Now, I would like to add something. Mm-hmm. If you are a prophet and I decide not to cultivate my garden, you will start of death, my friend. I would do what? J'ai juste dit à Greg que si j'étais jardinier, il est le prophète, et j'arrête de cultiver mon jardin, il n'y a plus de fruits, il va mourir de faim. Oh non, non. I can tell you this much about a prophet. Je peux vous dire autant que cela concernant un prophète. If I come to you and give you a word or whatever, it has to be something that the Lord is already talking to you about. Oui, si je vous donne une parole de sagesse ou un mot de connaissance pour vous, une chose qui est certaine, c'est que Dieu vous a déjà parlé de cela avant. It has to be a confirmation. Mais ce que je vais vous dire, la parole de sagesse ou de connaissance que je vous dirai à ce moment-là, et sera pour vous tout simplement une confirmation de ce que vous savez déjà. Because you have the same Holy Spirit that I have. Parce que vous avez le même Saint-Esprit que je possède. And be honest with you, God can use any Christian to prophesy or encourage another Christian. Et on peut prendre n'importe quel chrétien peut encourager un autre chrétien. But the difference is that it will operate more with the office of a prophet than a person that's not called to that office. Mais bien si des chrétiens sont amenés à encourager d'autres chrétiens, ce ministère est beaucoup plus puissant chez la personne qui est un prophète. Yeah. So I guess I wanted to explain the little that I explained to you, that God is no respected person. No office is better than another office. Dieu ne respecte pas notre qui nous sommes sous une forme hiérarchique. Il n'y a le prophète n'est pas là et le jardinier il est à terre dans le jardin. No. Well, I said, the prophet is on the sky and the gardener, you know, is on the ground. Oh, I didn't think about that. They are at the same level. The same level. Le jardinier, le prophète sont au même niveau. If somebody tell you that they can hear God and give you a word anytime, they are not telling the truth. Si quelqu'un vous dit qu'ils peuvent juste comme ça vous donner une parole de connaissance sur commande, non, ils vous disent pas la vérité. No, they're just using their own mind.
and not their spirit. I want to talk about one question that a lot of people tend to ask me when it comes to praying in tongues. Je vais essayer de d'adresser une question que beaucoup de personnes me posent concernant la prière en langue. Most people ask me, Jesus didn't pray in tongues, so why should I pray in tongues? Beaucoup de personnes me disent, enfin certains me disent, Jésus ne parlait pas en langue. La Bible ne le dit pas. Et donc, pourquoi moi, je dois prier en langue? Parce que Jésus ne priait pas en langue. You have to understand, nowhere in the New Testament, it says anything about Jesus praying in tongues. Il n'y a aucune référence dans le Nouveau Testament qui nous dise que Jésus priait en langue. But you have to understand, speaking in tongues is for a New Testament Christian. Prier en langue est pour les chrétiens du Nouveau Testament. It's a question of the New Testament after the death and resurrection of Jesus. Thank you. C'est pour les chrétiens du Nouveau Testament après la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Because this is just what I hate to use my opinions on this, but Jesus was born in this world with the Spirit. Ça, c'est mon opinion, mais l'opinion de Greg, qui dit qu'il pense que Jésus est né, quand il est né, avait déjà en lui le Saint-Esprit. Hallelujah. I don't know. It's maybe received it when he got baptized by John the Baptist. Yeah, but it doesn't say anything. Some people say he grown in the Spirit, and that's not talking about speaking in tongues. No, the grow in the Spirit, we said it before. Mm-hmm. It's mainly growing in wisdom. Uh-huh. Yeah, but I mean, when it's talking about groaning, like, oh! Oh, groaning. Mm-hmm. Uh-huh. And no, it's... Non, les gens disent que Jésus avait des bruits qui ressemblaient à prier en langue, mais c'est nulle part dans les Écritures. But you know what's interesting? That Adam was created... And he had the Spirit of God living on inside of him. He never spoke in tongues. It doesn't say anywhere in the Bible. Ouais, de la même façon, on peut dire que Adam, quand il est né avant la chute, avait l'Esprit de Dieu en lui. And avait le Saint-Esprit en lui, mais nulle part il n'est mentionné qu'il parlait en langue. And in the New Testament, you know, Jesus was in the Old Testament and he made the way for the New Testament. It doesn't say anywhere that he spoke in tongues. Non, il est écrit nulle part que Jésus, qui est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, priait en langue. But are you going to lead us to Pentecost? Yes. Well, it's coming soon. That's right. Mais il va parler de la Pentecôte peut-être, parce que la Pentecôte est bientôt. Jesus said that I'm going to send you another comforter. Mais Jésus nous dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous conforter, donc quelqu'un qui va vous enseigner. C'est un synonyme du Saint-Esprit. Mm-hmm. Let's look at Isaiah, and this is the last verse right here. Ok, on va regarder Isaiah. C'est dans l'Ancien Testament. Hein. Ok, Isaiah. It's the Old Testament. We're going to talk about, they prophesied that in the Old Testament, that we're going to be praying in tongues today. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui nous dit que nous allons prier en langue. OK, it says in Isaiah chapter 28, 10th verse, all the way to the 13th verse. Isaiah 28? Mm-hmm. Oh, OK, I was to the wrong one. That's OK. Isaiah 28. What I was doing in Isaiah 10. OK. Yeah, I guess that's what we know. OK, I am on Isaiah. I gave it to you. OK, it says, so I'm going to read it in English. Where which verse? Oh, 28, chapter, the 10th verse, all the way to the 13th verse. Okay. It's interesting right here. It says, for it is perceived, no, sorry. No. So for it is precept on precept on precept on precept, line on line on line, here a little, there a little. Verse 11 says, but he will speak to his nation, okay, he will speak to his nation with stammering lips and in another language. Okay. And then verse 12 said, to whom he said, this is the refreshing place. Okay. Give. Yeah.
It says, give rest to the weary, and this is the refreshing, yet they will not hear. Well, that goes on to something else. Go ahead and read it. Well, in English, it said, what? He was online, he was on the computer, line online. Yeah. Oh, really? I didn't put that on now. No, it was internet. No. I'm sorry, we just had I'm fun. I'm making an English joke. Okay. Je vais vous lire le verset 10 à 13. Ok. Car c'est ordre sur ordre, c'est règle sur règle, un peu par ici, un peu par là. Eh bien, c'est par des hommes aux propos inintelligibles à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple, auquel il avait dit, c'est ici le repos, laissez se reposer ceux qui sont fatigués, voici l'apaisement. Mais ils n'ont pas voulu écouter l'Éternel. Ok. Now, in French, I have to add a lot of things there because the way it's translated. They said they were given to men who couldn't speak things which were comprehensible because they were using a barbaric language. That's what they said in French. Really? Yeah. Wow. Okay. En français, quand on parle des propos inintelligibles, c'est la même chose qu'à la Pentecôte, ils parlaient en propos que les gens ne comprenaient pas. À la langue barbare, on mentionne des gens qui parlaient des langues étrangères. À cette époque, les barbares étaient ceux qui n'étaient pas juifs. Okay, it's a translation for Gentile, you know, but it's not barbaric as a way. Okay, anyway. Wow. In French, it's very English, it's very confusing, but in English, it's much clearer. C'est beaucoup plus clair en anglais que ça n'est en français. Bah, si vous le lisez en français, les propos inintelligibles sont donc réfèrent au parler en langue et la langue barbare nous indique que c'était des noms juifs. Donc il faut faire attention là aux traductions. Wow. So we have to be careful with translation and really understand what they mean. Okay. Yeah. Right, because Isaiah 28, chapter 28 is really talking about the comforter that Jesus was telling his disciples that he was going to send once he leave here. Oui, le chapitre 28 en général nous parle d'Isaïe. Isaïe nous parle vraiment de Jésus qui nous envoie le réconfort, le Saint-Esprit pour nous réconforter. So Jesus didn't really have to pray in tongues. Donc Jésus n'avait vraiment pas besoin, lui, de prier en langue. Et il avait déjà toute la sagesse. He had already all wisdom. Yeah, because he was born with the Spirit. We don't know, but he might have been born with the Spirit or something. That's an interesting subject right here. Yes, c'est un sujet intéressant qui n'empêche pas que nous devons prier en langue. You know, it doesn't prevent us to pray in tongues because it's in the act of the apostle. It's clearly mentioned. Yes, exactly. And that's, as you said before, that's our direction for our life. Yep. Donc, dans les actes des apôtres, nous parle clairement que nous devons prier en langue pour obtenir les directions pour notre vie. Amen. That's right. Well, I think I'm going to cut it short right here. Ok, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Ok. I just felt in my spirit. Is there anybody that needs prayer? J'ai dans mon esprit que si quelqu'un a besoin de prière. Right now I'm on live stream, so I can't really pray with you privately, but I can be in agreement with you. Je ne peux pas, comme je suis en live stream, en direct,
et que je rejoins beaucoup de monde, je ne peux pas prier individuellement pour vous, mais je peux être, ce que je vais faire, je vais être d'accord avec votre prière. You will agree with all that individual prayer. All right. Okay, everybody, let's get an agreement now. Et mettez-vous tous en agrément avec ce que je vais vous, la prière que je vais faire. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. I take authority over their prayers now. Je prends autorité concernant leurs prières. And I command that it shall come to pass. Et je prie que ce qu'ils demandent se réalise. What they are believing for right now. Et que ce qu'ils croient se manifeste. From healing in their bodies. Et cela va de la guérison dans leur corps. Looking for a job. La recherche d'un emploi. Or a marriage that needs to be restored. Ou un mariage qui doit être restauré. Or just plain wisdom concerning the situation that they're dealing with right now. Ou tout simplement d'avoir la sagesse pour la situation à laquelle ils font face maintenant. Even that person that's been incarcerated in jail, we pray for your wisdom concerning that situation. Et ça concerne même des gens qui prient qui ont été en prison. And I thank you right now, Father, that your grace is meeting that person where they can, where they are and can receive it. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu leur donnes la grâce et qu'ils peuvent la recevoir maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right, well, I just want to say real quick, yes, I am in a position of moving to full-time ministry, and we're still going to be doing these broadcasts. Je vous le répète, je suis prêt, je vais être prêt bientôt à aller dans le faire du ministère à plein temps et... Nous continuerons de la même manière ces vidéos en direct. And I guess my wife normally does this, but if you want to support us in our new venture, si vous voulez, si vous pouvez, nous supporter financièrement et dans la prière pour cette nouvelle aventure dans notre vie. Our website is www. Notre site web est www.gregandninaboydministries.org. He said it right. Yes. So for the ones in America, it's www.gregandninaboydministries.org. Yeah, it will be at the end of the broadcast. Oh, okay. We always mention your website. Okay. À la fin de cette émission, quand nous allons mettre à jour ce fichier, nous ajoutons le site web sur lequel vous pouvez rejoindre Greg et Nina. I just want to say hi to Kim and Toka in New Zealand. Je veux juste dire bonjour à Kim et Toka en Nouvelle-Zélande. And a young man named Geet in Brazil. Et à Guilherme au Brésil. I just want to say I love you all, and the young lady that's in England, Elodin, Elodie. Je vous aime tout. Aussi cette personne qui est en Angleterre. And Pastor Tim in Cameroon, Africa. I just want to say hi. And your wife, Aurélie. Et Pastor Tim en Afrique et sa épouse, Aurélie. Aurélie, bonjour. And I'm not going to say where she's at, but Katia. Katia, qui est quelque part au milieu de l'océan. All right. She's in the middle of the ocean. There we go. Okay. We love you guys, and thank you guys for listening in today. Avec tout notre amour, et merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. À la prochaine fois. I hope I look better looking in these glasses, so okay. Don't be laughing at me. Okay, avec ces lunettes, okay. Nous soyons vraiment... Thank God. On est deux frères. We are two brothers with glasses. That's it. Okay. But I'm dark and you... Like no, you are my white friend. You know? Oh, okay. Okay, well, you're my black friend. Yes, okay. All right, we feel better. I feel much better now. Okay. God bless you guys. Soyez bénis.